Bonjour à tous, c'est Ender-PS4 qui vous parle. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous savez, j'étais arrêté pendant très longtemps sur la chaîne. Désolé, c'est parce que j'étais occupé pour raison de travail. Mais on revient très très fort. J'espère que ça va vous faire plaisir. Montrez-moi que vous êtes là en likant, partagez. Et mettez-moi des commentaires en mode qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse par la suite. Alors là, on va commencer sur un jeu qui s'appelle The Last of Us 2. J'espère que vous avez fait le premier. Si vous ne l'avez pas fait, dites-le moi, je pourrais le faire aussi. Mais en tout cas, celui-là, il est vraiment très très bien. Et pour ceux qui l'ont fait, le premier, le deuxième, il sera très intéressant, vous allez voir. Voilà. On va commencer. Ça en normal hein. On vous inquiétez pas, j'ai vu dans quelques commentaires qu'on m'a demandé de me montrer et tout. Pour le retour, je vais pas me montrer tout de suite, mais par la suite, vous inquiétez pas, je vais me montrer. C'est pour ça, montrez-moi vraiment que vous êtes là. Et que vous êtes vraiment actif. Parce que je vois que là, on est quand même à 1300 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça pourra augmenter. Un petit 2000, ça ferait plaisir. Vous allez voir aussi, là, on est sur une version PS4. Le premier, j'ai la version PS5. Celle-là, la version Play 5, elle va sortir le 19 janvier exactement. Mais pour une version Play 4, déjà. Il est vraiment très très bien fait. Le prochain en vrai, ça sera juste la qualité un peu et les sensations de manette. Alors, comment je vous laisse écouter. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais censé la conduire jusqu'au Luciole et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire de remède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les Lucioles. Grâce à elle. Ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. C'est pas vrai. Docteur, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Bon, après, pour je vous sauver ses vies, expliquerai qu'on pourra sauver. Pourquoi elle est là. Je l'ai sauvé. Vous avez vu comment les visages et tout des persos ils sont bien faits comme pour de la Play 4. Pour vous expliquer, en fait, elle s'est retrouvée là-bas car elle s'est fait morte par des crackers et c'est la seule qui s'est pas fait contaminer. Ils voulaient faire des tests Quel merdier. pour voir s'ils pouvaient trouver un vaccin. Voilà, c'est pour ça que Et par elle la est au suite, elle s'est courant. retrouvée là.
Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi ? Elle n'a jamais dit le contraire. On devrait y retourner. Moi, personnellement, c'est un de mes jeux préférés. Après, dites-moi si vous aimez les Uncharted, les trucs comme ça. Vraiment, on pourra faire plein de jeux. En tout cas, si je vois que vous êtes là, je vais être vraiment actif. À la limite, ça mérite une capture. Comment c'est magnifique. Regardez. Là en fait là on va aller dans leur base. En fait son frère Joël, il a une femme et eux ils ont fait une base en mode vraiment protégé. Bon, vous allez voir comment c'est. Bien que j'aurais fait exactement pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. Ça, c'est un vrai frère. À plus tard, Tommy. Thank you.
Eh Allez. Ça, comme la plupart des jeunes, ils ont tous la musique. Regarde. La vache, tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte, mais... Salut. Salut. Tu voulais quelque chose? Rien de spécial. Tu sais, tout le monde est très impressionné par toi, par la façon dont tu sais te rendre utile. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Joël, écoute, il est super tard et je dois me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps. C'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Là, je vous laisse un peu dans le jeu pour que vous êtes bien dedans. Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sandek. Tu peux jouer quelque chose? Ok. Super. Tu me promets que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Trying sometimes you'll succeed to make this pain of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore. As I believe, and I believe, 'cause I can see our future. Days of you and me. Et voilà, c'est tout. Eh ben, c'était pas si mal. Je prends ça comme un compliment. Elle est pour toi. Oh non, 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 je saurais même pas je comment t'ai promis la tenir. que je t'apprendrai à en jouer. Moi, je trouve quand même que c'est un sacré beau cadeau qu'il lui a fait. Hein. Parce que à beaucoup de moments, dans le premier comme dans celui-là, guitare, tu vois, où il chante, et je trouve quand même qu'il chante pas mal, hein. Il chante bien. Je te dirai d'une première leçon de Dites-le moi en commentaire. Mardi. Ok.
Est-ce que... La blague t'est revenue ? Tu sais quel est le comble pour une horloge ? C'est de te voir tuer le temps. C'est vraiment débile. Ouais. Allez, dors bien. The Last of Us Partie 2. Oh, 24 ans plus tard. Salut. Bonjour. Désolé, j'ai dormi trop longtemps. Je m'habille et j'arrive dans une minute. Il paraît que t'as passé une drôle de soirée. Elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. Ça voulait rien dire du tout. Je parlais de ton engueulade avec Seth. Attends. T'as embrassé Dina ? Oh. C'est balance tout seul. On est séparés depuis une semaine et tu bécotes mon ex ? Non. Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux. Moi, je voulais pas. Tu vois pas que je te fais marcher. Je m'en fous, ça va. Va t'habiller. Oh, t'es bien con. Hey. C'était quand même pas très cool. Oh. Dépêche-toi, on est en retard. Ça pue pas. Ok. Je monte un peu la baraque. Voilà. Ça quand même elle est stylée avec les posters et tout là. Joël est réveillé. On a repéré des infectés au nord. Maria l'a envoyé en patrouille avec Tommy. Ça craint. Ouais. On a pas dû beaucoup dormir. Pas autant que toi en tout cas. Arrête. J'allais justement me lever. Mm-hmm. Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut ? Ouais. Je te préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Pourquoi ? Ok, petit résumé. T'as embrassé Dina. C'est elle qui m'a embrassé. Ce qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Ouais. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. C'était une soirée bizarre, Jessie. Elle s'est bien amusée. Plutôt mouvementée. Eh, donc... Tu m'en veux pas, hein ? Toi ? Non, pas du tout. Dina et moi, c'est du passé. Je sais, mais je veux pas que tu penses. Ellie, tout va bien. C'est promis. Merci. Voilà, quand même, ça, dites-vous que ça, c'est le camp qu'eux, ils ont fait. Donc, qu'ils protègent, hein. Alors, grâce aux trucs qu'ils vont faire, les petites rondes et tout. Mon vieux. Mais quand même, je trouve qu'elle est bien fait par petite ville, hein. Avec des petites décos de Noël.
c'est cool. Salut, Jesse. Oh, salut. T'as envie d'un petit déj? Non. Où est Maria? Derrière. Pardon. Ellie, viens, je t'attendais. Seth voudrait te dire quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Oh, d'accord. Seth! Seth, viens là. Salut. Écoute, hier soir, j'avais un peu bu. Ouais. J'essaie juste de m'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dina. J'ai préparé des sandwichs. Ok. À la viande. Merci, Seth. Ouais. Bon. Soyez prudente. Ouais. Je te remercie, Ellie. C'est quoi, ça? Sandwich de fanatique. Ça sent bon. Prends-les. T'es sûr? Vas-y. Je vous raccompagne. Ok. En partant, je veux que tu relèves Tommy et Joël. Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. Je les retrouve où? Ils devraient être au poste de Gaynor West un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. J'avais prévu de vérifier la route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière? Non, pas vraiment. Dina la connaît bien. Elles pourront y aller ensemble. C'est réglé alors. Ellie, je peux te parler une seconde? Ça va? Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Maria. Il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûre? Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudente. D'accord. Hé, Dina! C'est l'heure! Deux secondes, j'arrive! Bon, là, vous allez voir après comment ça va se passer, une petite ronde. Mais vraiment, c'est pas mal. Dina? Je peux te parler? Hé, les gars! Je fais une pause. Oh non! Ça va durer longtemps? Salut. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave, je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et je... T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Ok. On devrait se mettre en route. Ouais. Ah, ça va pas, non? Je joue pas avec vous, moi! Quoi? T'as la trouille? Je teste vraiment ce gamin. Oui, mais la misère. Ouais, bonne idée. Ah, on n'est pas de la sorte vous de se laisser faire. Aïe, aïe, aïe. Bravo, Mich, les petits cons! Oh, merde! Mettez-vous à couvert, vite! Ah! Ah, je t'ai eu. On n'est pas encore couru, bande de nades. Aïe! Bon sang, il est fort ce gamin. Je vais venir te botter les fesses. Dans ta gueule.
Ailleurs. Je sais où t'habites, Alex. Allez, tiens. Dans ta face. Tu ferais mieux de te cacher. Je te vois. Ah ouais, ils sont chauds quand même. Prends ça. Aïe. Qui t'a appris ça? Oh. Ha. Tes parents t'aiment pas. Oh, mais quelle entrée magnifique. Tu crois que tu peux m'avoir? Ah, c'est pas juste. Mangez ça, les crevettes. Hey, hey. Alors, ça fait quoi? Non, sur elle. Oh, non, allez pas vous le tirer. Stop, lâchez-la, bande de monstres. Ellie, arrête. Allez. MDR. Ça, mais on a du travail. Ça va. Oh, je l'ai bien mérité, non? Ouais. Un petit amusement avant de partir au boulot, ça fait pas de mal. Tac, elle est où? Jesse veut qu'on prenne la route de la rivière. Il va relever Joël et Tommy. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Tu vas aimer la balade. Salut les filles. Bonjour. Salut. Je m'en occupe. Merci. Ça, c'est un bon cheval. Regarde qui est là. Merci. Allez, c'est bien. Salut, Paillette. Ah, regardez qui a décidé de nous rejoindre. Ouais. Un pour toi. Et un pour toi. Ouvrez les portes! Bon, écoutez-moi. On y est. Vous connaissez le topo. Vous suivez l'itinéraire, vous prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Si vous tombez sur plus gros que vous, vous revenez. Pas de conneries, ok? D'accord. Allez-y. Ah, elle a été claire, ça. On peut pas lui dire.
De quoi tu rêvais? J'ai dit quelque chose. Non, Mita. Tu faisais grincer tes dents. Oh. Où t'es allé? Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi? Je vais te montrer. Et dites-vous quand même, la qualité là que vous voyez, c'est de la Play 4. Donc, imaginez même pas la Play 5. Vous voyez là l'effet de la neige sur le manteau, tout ça, bien. Je trouve vraiment trop bien fait. Parce que c'est réel. La vache, ça caille. T'es sûr que tu veux pas faire ça quand il fera jour, avec quelques degrés de plus? Non. J'espère en tout cas que vous appréciez. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins? Tu dois voir ça par toi-même. Après, dites-moi aussi si ça vous intéresse qu'on se fasse un petit live pas à dormir. De ce jeu, si vraiment ça vous intéresse. Et, on va vers le sud. Et aussi un petit live GTA 5, si on pourra parler aussi un peu de GTA 6. J'y ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller par rapport au thriller. Ouais, quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Ouais, t'as sûrement raison. C'est par ici. T'as fait tout ce chemin dans le noir? Oui. Allez, viens. Si on continue comme ça, on sera crevé avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Oui, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça? Quoi? Non. C'est un rêve. T'inquiète, j'ai eu ma dose. Wow. Et ouais, on n'est pas tous aussi gracieux que toi. Quoi ça? Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Oh ouais, la vue quand même. Pop, pop, pop. Oh merde! Hé, regarde-moi. Abby, ne regarde pas en bas. Owen, faudra repasser par là, au retour? Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les carrer, mes peurs. Abby, arrête de me draguer. Putain. C'est carrément une ville. Ouais. Ils ont trouvé le camp. Je voulais que tu sois la première. Et après, vous allez savoir c'est qui. Des gardes armés patrouillés entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, il faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix.
Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée ? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen ? Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai? Oh, j'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hé. Arrête. On se voit à ton retour. Purée, ça va être la merde. On n'a pas réussi. Tac. Le poste de guet est pas si loin. Ah, elle a un petit peu la rage, je pense. Hein. Merde. T'es vivant ? Purée, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dû se passer un truc. Ah, ouais, de ouf. Ouais, je suis obligé de passer par là. Voilà. Si ça. Ouais, si, si, si. Oh putain. Dégage. C'est comme
C'est chaud. C'est chaud. Oh purée. C'était chaud, je pensais pas. Vous voyez, là c'est où je peux prendre mes armes. Là je peux avoir du sang, de la vie je veux dire. Là une autre arme mais que j'ai pas. Toujours dans ce jeu, toujours regarder s'il n'a pas des trucs que vous pouvez récupérer. Ouais, comme là. Comment je fais pour sortir d'ici? Je suis obligé de passer par là. Très mauvaise idée, Abby. On va aller jusqu'au poste de guet et je vais m'arrêter là pour la première partie. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez apprécié le début du retour. Ok. Il peut pas être loin. Oula.
Voilà, toujours rester attentif. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour pour celle-là. En tout cas, partagez au max et montrez-moi vraiment que vous êtes là. J'espère que vous avez apprécié. Ciao, ciao!